Est-ce que tu penses qu'avec le milieu actuel du PSG, cette équipe peut remporter la Ligue des Champions? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, tu me découvres à travers cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que tu penses qu'avec le milieu actuel du PSG, je rappelle, le milieu généralement est constitué de Ougarté, pour moi qui est un très bon milieu. Après, tu as Vitinha, que je trouve déjà un peu léger par rapport au très très haut niveau. Et pour conclure, tu as Zaïre Emery, les amis. Moi, je trouve que c'est bon pour la Ligue 1, mais pour franchir un cap, pour remporter la LDC, je trouve ce milieu léger comparé au City, au Bayern, au Real de Madrid. Lorsque tu auras en face les Modric, les Kroos, les Bellingham, franchement, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué pour le PSG. Donc, moi aussi, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur ce milieu de terrain. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu as des doutes sur ce milieu? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont aussi déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!